Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. On est contente de vous retrouver pour un haul. Ouais! Alors, c'est le deuxième haul en un mois. Ouais, donc, on a fait pas mal de petits achats. Donc, on tenait à vous en faire profiter, voilà. Partager nos coups de cœur, nos tendances, les petites choses qu'on a achetées. Et en plus, pour cette vidéo, c'est une spéciale chaussures. On a que des chaussures à vous présenter. Donc, on est contente de faire ce haul. Et puis, on va commencer tout de suite avec une paire de cuissardes. Donc ça, c'est une paire de cuissardes qu'on avait acheté en tout début de confinement, en fait. Enfin, le premier confinement. Premier confinement, parce qu'en fait, c'est une paire de bottes que j'avais acheté pour mon anniversaire. Une paire anniversaire parce qu'on est né en mars. Et c'est tombé pile poil pendant le confinement. Donc cette petite paire, on n'a pas eu l'occasion d'en profiter. Et puis surtout de vous la montrer, donc on en profite maintenant. Donc une belle paire de bottes de cuissardes qu'on a acheté chez Minelli. Donc c'est du cuir, elles montent haut, elles sont super sympas, super tendance. C'est vraiment dans la tendance actuelle. Et ce qui est bien avec ces bottes, c'est qu'elles sont confortables. Donc moi j'aime bien ce talon carré, petit bout arrondi, je suis bien dans ces bottes, donc je peux gambader, je peux faire plein de choses avec, je pourrais faire plein de looks avec, donc ces petites paires de bottes, donc j'en suis vraiment hyper contente. Donc moi aussi je vous présente, c'est la même en fait, voilà, c'est la jumelle. C'est la même sauf la mienne est bordeaux, ouais. Donc ça faisait un bail que je cherchais des cuissardes, je trouvais que c'était compliqué de trouver des bonnes cuissardes qui soient classique, en même temps stylé et en même temps facile à porter. Donc à chaque fois que j'allais dans les magasins, je trouvais qu'elles étaient bien, mais le talon était trop haut ou c'était trop voyant. Enfin, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et celles-là, elles sont vraiment bien classiques à souhait. Une nouvelle paire de bottes. Et là, c'est les bottes imprimées animaliers, imprimées zèbres. Donc en ce moment, moi, je suis fan des imprimés animaliers. Donc celui-là, je le trouve super original, super dans la tendance. Ces bottes, franchement, je les trouve magnifiques. Donc là, on est sur des bottes, c'est du vrai cuir. J'aime bien le petit bout pointu, le petit talon carré, donc pas trop haut. Donc je vais pouvoir les mettre. Je les ai essayées, donc elles sont super confortables, super stylées. Donc je vais pouvoir les mettre avec tout, un jean, une robe, des jupes, vraiment ça va avec tout. Une paire de bottes, je l'ai prise en taille 41 et elles viennent de chez Mango Outlet. Alors une autre paire de bottes que je trouve aussi magnifique, voilà, c'est celle-ci. Ça faisait un bail que je lorgnais dessus, je les voyais un peu partout. Voilà, blanc cassé, hyper tendance, voilà, hyper confortable. J'aime bien parce qu'il y a un bout pointu, un petit talon comme ça. Donc ces chaussures viennent, enfin ces bottes viennent de chez Stradivarius. Il y a encore l'étiquette, donc on les a pas encore mises, mais bientôt. Mais bientôt. Ça va pas tarder. J'aime bien parce qu'elles sont, un petit peu plissées, froissées, voilà. Donc en taille toujours 41 et en plus pour du, parce que celle-ci c'est du c'est du faux cuir, hein. Oui, c'est pas du cuir celle-là. C'est pas du cuir, mais franchement c'est de la bonne qualité, donc elle passe bien. Ça va. On les a achetées, elles ont coûté 49,99€, donc ça va. Du coup j'ai la même en gris. Elles sont top en gris, voilà, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc le petit craquage. Donc ces bottes là, on va pouvoir les mettre avec tout. Moi je les vois bien avec les jogging qu'on s'est achetés, oui. Un jean, des jupes, on mettra aussi le petit haul, oui. Juste là, le petit i, comme ça vous pouvez retrouver la vidéo de nos trouvailles jogging. Et en parlant de ces bottes, ces bottes, je les ai aussi prises en doré, en argenté. Donc pareil, elles sont top, confortable. Donc c'est exactement les mêmes mais dans une teinte métallique, donc parfait pour les fêtes. Donc elles sont encore dispo je crois sur le site de chez Stradivarius, donc allez-y, hein, franchement c'est de la bonne qualité et on est vraiment bien dedans. Alors on continue avec une autre paire de bottes. Donc celle-ci,
Voilà. Ah ouais. Au départ, on avait hésité celle-ci. Voilà, une paire de cuissardes. Voilà. Donc, on avait fait des petits looks. Ah, les petits looks pour les fêtes avec. Oui. Donc, on vous met la vidéo là si vous voulez la voir. Voilà, cette paire de cuissardes, j'ai vraiment, vraiment hésité à la prendre. Parce qu'avec les cuissardes, le problème, c'est que voilà, il y a toujours un petit côté un peu... Oui, ça peut faire un peu too much. Too much, ou un côté vulgaire. Et surtout, quand vous mélangez cuissardes avec imprimé python, avec du talon. Voilà, elles sont... elles montent super, super haut. J'avais hésité, mais franchement, je me suis lancée. Je me suis dit, allez, vas-y, tente. Et franchement, je les regrette pas. Elles sont top. Elles sont top. Avec ça, on fait des looks hyper sympas. Je pensais que j'allais avoir un petit peu de mal à les porter. Mais finalement, non. Donc, cette petite merveille vient de chez Mango Outlet. Et là, c'est vraiment la grosse surprise. C'est que elle coûtait, je crois qu'elle était à 70 euros. Et je les ai eues à 22 euros. C'est vraiment pas cher. C'est pas cher. Et franchement, elles sont nickel. Une autre paire de bottes. Alors là, ce sont mes préférées. Une paire de cowboy boots. Elles sont top. Moi, j'aime bien le côté noir et blanc. L'imprimé python. Ouais. Voilà, le petit talon. Franchement, elles sont top. Je les adore. Donc, ces bottes, je les ai achetées chez Mango Athlète. Voilà, ouais. Mango Athlète. Alors, ça faisait un moment que je leur mettais dessus. Elles coûtaient 140 euros. Une centaine d'euros, je trouvais que c'était un petit peu cher. J'ai attendu pendant les soldes, pendant le Black Friday. Et donc du coup, je les ai eues à 45 euros. Donc une super bonne affaire. Ouais, super pas cher. Hein. Donc j'avais voulu les prendre aussi, mais moi j'ai été un peu trop lente. Et il n'y a plus de ma taille, donc bah, c'est pas grave. Mais je vais lui prêter, Donc je les adore, elles sont top. Avec ça, je vais pouvoir faire des looks hyper sympa. Donc cette petite paire de mules, donc c'est pas encore la saison, mais bon voilà, sur le site Mango Outlet, donc pendant le Black Friday, elles étaient en solde et vraiment j'ai sauté dessus. Donc ce que j'aime, bah, comme d'hab, hein, l'imprimé animalier, hein, donc là on est sur du python. Le talon, petit talon confortable, franchement elles sont top. Elles tiennent bien au pied parce que j'avais peur qu'avec ces mules le pied il parte un peu comme ça. Mais non, donc ça tient bien. Je vais pouvoir faire des petits looks vraiment aux petits oignons avec ces mules. Vraiment jeans, jogging, jupe, propre, voilà, tout va y passer. Elles sont simples, efficaces et super confortables. Et pas chères sur le site de Mango Athlète, je crois qu'elles sont à... une vingtaine d'euros. Je crois qu'on les a payés 19, 20 euros. Donc vraiment pas cher. Dans la tendance, super stylé. Donc je vais attendre le printemps quand même. Oui, quand même, pour les mettre avec, là, je sais pas, avec des collants. Non, peut-être pas avec des collants. Non, on va attendre le printemps parce que c'est mieux des mules quand t'as le pied nu quand même. Hein, donc c'est plus sympa. Donc j'attends le printemps avec hâte et je vais pouvoir faire des petits looks sympas avec. Donc de toute façon, on vous mettra tous les liens en barre d'infos si ça a encore des disponibilités. Ouais. Et une autre paire. Voilà, donc ça c'est des escarpins ouverts. Donc moi je me suis rendu compte que dans ma garde-robe je manquais cruellement de classiques et de basiques. Et là pour le coup ça c'est un basique, c'est un classique, un intemporel. Et j'en avais pas dans ma garde-robe, j'avais pas de chaussures noires comme ça. Donc j'ai foncé dessus. Donc celle-ci, ce qu'il y a de bien c'est que c'est du vrai cuir et qu'elles étaient vraiment pas chères. Donc pareil sur le site de Mango Outlet. Je crois que ça nous a coûté une vingtaine d'euros. Ouais, une vingtaine d'euros. Donc, toute simple. Le talon est haut, mais elles sont super confortables, super stylées. Donc, franchement, avec ces chaussures, je vais pouvoir tout mettre. Des jeans, des pantalons, des robes. Enfin, voilà. La totale. Donc, le petit classique à absolument avoir dans sa garde-robe. Une paire de baskets. Voilà, la basket, c'est quelque chose qu'on met fréquemment, qu'on met régulièrement. On aime les baskets parce qu'elles sont confortables. Ça donne du style. Donc là, cette paire de baskets, elle vient de chez Mango Outlet. Ils ont fait une collection de sneakers qui est vraiment pas mal du tout. En taille 41 et elles sont vraiment nickel. Les baskets, c'est vraiment le basique à avoir dans sa garde-robe. On fait plein de looks avec. On met ça avec un costume, on met ça avec un jean, on met ça avec des jogging. Voilà, des jupes, des robes, bref, on met ça avec tout. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont simples, grises, avec du blanc et un petit peu de rouge. De couleur. Voilà, pour leur donner un petit peu de peps. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu cranté.
voilà le côté cranté, et on est vraiment hyper confortable dedans. Donc celles-ci, elles ont vraiment pas coûté cher, on a acheté ça pendant le Black Friday. Donc si vous voulez une petite paire de baskets sympathiques, donc sur Mango Athlete. La dernière pièce, donc pareil, une petite paire de baskets, une petite paire de sneakers. Donc celles-ci, je les ai achetées chez Zara. Donc Zara, j'ai vraiment aimé cette basket. Elle est vraiment simple, donc classique, avec du gris, toute basique, mais je trouvais qu'elle était efficace. Elle a un petit côté quand même assez masculin. Ouais, massif, un peu datchouz. Oui, un effet un peu datchouz. C'est gros, mais c'est pas non plus énorme. Et elles sont super confortables. Je peux faire des looks chic, décontractés. Moi, ce que je fais en ce moment, souvent, ce que je mets, c'est cette petite paire de baskets, un petit pantalon de costume noir, un haut un peu sweat, un peu dans ce genre-là, un joli manteau classique. Et là, mon look, il est vraiment au top. Je trouve que ces baskets, elles sont très minimalistes, très simples. Mais elles font leur petit effet. Donc celle-ci, bah, comme d'hab, c'est du 41 et elles viennent de chez Zara. Donc chez Zara, par contre, il n'y avait pas de réduction. Je les ai payées au prix fort. Je crois que c'était 50 euros. Ouais, 49 euros. Notre petit haul est fini. Voilà, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a donné de l'inspiration. Et bien, si c'est le cas, et bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Et dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on vous fasse un spécial lookbook avec bah justement les bottes et les cuissardes qu'on vient de tasser. Ouais, ça serait intéressant de mettre tous ces petits produits, enfin toutes ces petites chaussures en action dans un lookbook. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bah, dites-nous aussi quelles sont vos tendances préférées, quels sont les articles qui vous ont le plus plu. On vous fait plein de gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Moi aussi également, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!